Bonsoir mon petit moussaillon, bonsoir mon petit Barbossa, bienvenue dans l'équipage de Monkey, Diffémi, le pirate le plus recherché de cette génération. J'espère que tu vas bien, j'espère que la santé ça va, j'espère que la famille tout va bien, enfin bref, je vais fermer ma gueule parce que voilà, on est là pour du One Piece, on est là pour découper des têtes, on est là pour trouver un putain de trésor. Avant que la vidéo commence, bien évidemment, je t'invite à lâcher ton plus gros like, hein. Vous avez été nombreux, nombreux et vous avez déchiré la barre de like, quasiment 4000 likes en un jour sur la dernière vidéo One Piece. Donc autant vous dire que vous êtes capable du meilleur, comme du meilleur, hein. Et voilà, donc n'hésite pas à lâcher ton petit like et à commenter. Bien évidemment, tu peux me retrouver comme d'habitude sur ma chaîne twitch.tv/femimars. C'est là qu'on fait du react, c'est là qu'on fait du gaming, c'est là qu'on fait plein de choses, sauf du One Piece. Mais bon, hein, c'est pas grave, si tu veux venir, bah, y a pas de souci. On est 100 000 d'ailleurs, enfin. Les gars, encore une fois, bah voilà, merci. Merci pour tout, merci pour la montée en puissance, parce que c'est n'importe quoi, voilà. On a pris quasiment 30 000 abonnés en un mois, donc c'est un délire. Donc route tous 50 000, route tous 100 000, route sur je sais pas quoi, mais là c'est en train de partir en yoku, j'arrive pas à contrôler, et m'oblige pas à venir chez toi pour te mettre une grosse fessée pour te dire de monter dans mon équipage. Si tu veux devenir un vrai pirate, t'as intérêt à t'abonner, mon petit salopio. On va réagir à 3 épisodes, épisode 19, épisode 20, épisode 21 de One Piece. C'est parti mesdames et messieurs, début de communication, on lance la mission. Il n'y en a pas un pour me battre. Quelqu'un veut essayer, peut-être? Eh bien, mon garçon, toi, au moins, on ne peut pas dire que tu manques d'aplomb. Vous ne me croyez pas? C'est parce que je suis un gamin? Mais je vous raconte pas de bobards. Personne n'arrive à la cheville. Dans ce cas, d'accord. Odoser, hein. Acceptons ton défi. Quina? T'as l'insolence du gamin, quand même? Oui, père, vous m'avez appelé? Non, mais je rêve. C'est même pas contre vous que je vais me battre. Vous me prenez pour qui, là? Oui, je sais, cela peut te surprendre. Mais Quina est plus forte que n'importe lequel d'entre nous. Le regard. Compris. Et ne crois pas que je dis ça parce que je suis son père. Bon, comme vous voulez. Dans ce cas, je t'en prie, choisis ton sabre. Je peux en prendre autant que je veux? Sans aucun problème. Oh ouais, vous allez pouvoir y aller. Putain, mais il en a pris tellement, mec. Il y en a genre 8, frère. Salut, notre dieu. Il a pas l'air très fort. Bien, maintenant, saluez-vous. Oh là là. Mais déjà, prends à maîtriser ne serait-ce qu'un, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait? Ouf. On dirait un peu d'amis, les gars, elle, hein. Tu vas voir. Dis-moi, quelqu'un t'a enseigné la technique d'attaque à deux sabres? Ça m'étonnerait! C'est la première fois que je tiens un sabre de bambou dans mes mains! Pas mal pour une première. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je sais que je suis un bon sabreur, et je serai encore meilleur dans l'avenir. Mais je ne peux pas me faire ratatiner par une nénette! Ouais, il bougera plus, hein. Il a dû le sentir passer, celui-là. Le combat est terminé. Il a pris un coup de soleil. Il est aussi nul qu'un manchot qui se mettrait au sabre. Je t'en prie, Quina. Tu n'es qu'un amateur. La technique à deux sabres me semble un peu trop prématurée pour toi. Apprends déjà à en manier un. Tais-toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux peut-être que je te prouve une nouvelle fois ton incompétence? Bon, d'accord. Tu m'as battu. Tu reconnais ta défaite. C'est honnête de ta part. Donc tu... Je tiens ma parole. Je deviens votre élève. C'est réglo. Avec plaisir. Quina, Mercato, je te promets que je m'entraînerai comme un malade, chaque jour un peu plus. Je progresserai étape par étape et je finirai par te vaincre. Mets-toi ça dans la tête. Tu n'y arriveras jamais. Ah oui. Au moins la pose de les bases. En mode démolisseur, on s'entraîne. Oh, les fessées qu'il a lâchées, mec. Les mêmes fessées que ton daron quand tu ramènes une mauvaise note, tu sais, en cours de maths, là. Ça faisait le même bruit. Yeah.
Rayard, le travail avec ça devant rien, les gars. Ah oui. Oh, oh la vitesse. Oh la mitrailleuse de Momako. Ça suffit. C'est terminé. Quina a gagné pour la 2000e fois. Ah oui. Oh. Tu vois, ça ne change pas, Zoro. Au moins, il abandonne pas. Tu es toujours aussi lamentable. Et encore, le mot est faible. Quand on n'est pas à la hauteur, il vaut mieux se taire. Sinon, on s'enfonce. Pas de soucis. On reprend l'entraînement, désolé, c'est pas grave. Hein. Tu as encore perdu. Mais tu n'as pas à rougir de ta défaite. Tu es devenu très fort. Zoro, hey, où tu vas? Je vais me passer de l'eau sur la figure. Je vous dis, avec ce coup de soleil, le pauvre. Je ne peux pas continuer à être vaincu par elle. Ça fait une belle rivalité entre les deux. Je vais lui lancer un dernier défi. Cela fait à peine un an que vous avez pris Zoro sous votre aile. Je dois reconnaître que ses progrès sont étourdissants. C'est un manieur de sabre tout à fait remarquable, hors pair, devrais-je dire. Il n'y a aucun doute, cet enfant est immensément doué. Cependant, Quina le bat à tous les coups et continue à lui être supérieur. Ça me fait bizarre, les mecs, parce que le gars, c'est la voix de Kakashi, tu vois. J'ai l'impression de rentrer de Kakashi, tu vois. Même au niveau du décor et tout, ça me rappelle certaines phases dans Konoha. Oui, mais il existe une barrière dans le monde de l'escrime pour les femmes. Je ne peux rien pour elle. Bientôt, Zoro la surpassera en puissance, quoi qu'il arrive. Comment ça, père ? Ouf ! Quina ! Il me semble t'avoir déjà dit de ne pas écouter aux portes. Pensez ce que vous voulez, je m'en moque ! C'est moi qui serai la plus forte du monde au maniement du sabre ! Ouais, elle est en train de rager, hein ! Quina, je suis désolé, mais tu ne peux rien contre la nature. Une fille ne peut pas être la plus forte du monde au sabre. Bah, pourquoi ? Hein ? Parce que lui, à mon avis, les gars, dans sa tête, c'est très simple. Hein. C'est la femme, c'est la cuisine. Hein. Mais faut arrêter, hein, frérot, on est où, là ? On est en 2022, hein. On n'est plus en 1440, hein. C'est bon, c'est fini maintenant. Bien sûr qu'elle peut devenir la meilleure sabreuse de la Terre. Il croit quoi, lui ? Donnez-lui un pimousse, ça va le calmer. Ça m'étonne même pas qu'il soit célibant. Zoro ? Tiens, quelle surprise ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ben et toi ? Pourquoi tu viens là ? Il est tard, qu'est-ce que tu me veux à une heure pareille ? Dernier défi. Je suis venu te faire une proposition par rapport à mes 2000 défaites. On fait encore un combat tous les deux, mais cette fois, ce sera le dernier. Avec en prime un petit changement. On s'affronte avec de vrais sabres. Ah oui ! Tu dois bien en avoir un, non ? Attends, mais c'est un peu dangereux, non ? C'est d'accord. Wado Ishimanji. Bah pour l'instant, le flashback, il est cool, hein. Yeah. Mais c'est dangereux, les gosses. Vous allez vous blesser. Ça pèse de vrais sabres, hein, Zoro? Ils vont se blesser, les gars, oui. C'est tout. Tu n'es pas assez résistant. La ferme. Oh. Ah, il a mis un coup de pression, là, c'est bon, vous allez arrêter les conneries, là. C'est ma 2001e victoire. J'en ai marre. Ha ha ha!
J'ai honte. C'est moi qui devrais pleurer, Zoro, crois-moi. Quoi? Je suis une fille. En grandissant, quoi que je fasse, je ne serai jamais aussi forte qu'un homme. Bientôt, c'est ce qui se passera avec toi, tu me surpasseras. Tu sais, tu dis toujours que tu seras le plus grand manieur de sabre au monde. Mais ça, pour une fille, c'est impossible. Mon père lui-même me l'a avoué tout à l'heure. Elle me raconte de la merde. Non, je sais. J'y peux rien, c'est comme ça. Et je suis dégoûtée. Je t'envie, Zoro. Je t'envie d'être un garçon. Moi aussi, je rêve de devenir le plus grand sabreur au monde. Seulement, je commence à avoir de la poitrine. Je serai bientôt une femme. Ce n'est qu'une question de temps. Concentre-toi, Zoro. Concentre-toi sur ce qu'elle dit, d'accord? T'as compris, hein? C'est toi le plus grand manieur de sabre, hein? Je voudrais tellement être un garçon. Arrête de pleurnicher sur ton sort. Ça t'empêche pas de me battre à chaque fois. C'est lâche de ta part de dire ça. J'en reviens pas. Et moi qui te prenais comme modèle. Zoro. Je me fiche que tu sois une fille ou un garçon. Le jour où je te vaincrai, je ne me dirai pas que j'ai battu une fille. Ce sont tes capacités qui comptent. Si je m'entraîne comme un dingue, c'est uniquement pour arriver à te surpasser un jour. Alors je t'interdis de dire des bêtises pareilles. En plus, elle a clairement le niveau pour être la bête, hein. On va se promettre que plus tard, l'un de nous deux deviendra le plus grand sabreur au monde. Et crois-moi, je ferai tout pour te vaincre. Idiot, tu n'y arriveras jamais. Belle relation entre les deux, les gants. C'est promis. Le massacre. Dites-toi, mon gars, vous n'avez pas l'impression qu'elle a encore progressé? Putain, mais en fait, elle, Zoro l'a boosté, hein, les gants. Il faut que je devienne plus costaud. Si je n'y arrive pas avec deux sabres, j'y arriverai encore moins avec trois. Vous en faites une tête. Qu'est-ce qu'il y a? On a une très mauvaise nouvelle. C'est Quina, elle est morte. Quoi? Attends, mais comme ça? Quel grand malheur. Mais what? Attends, mais lui arrivait quoi, la pauvre? Dans les escaliers de l'atelier. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? D'après ce qu'on m'a dit, elle était venue aiguiser la lame de son sabre avec la meule. Attends, mais les gars, what? Une chose pareille. Je n'en ai pas la moindre idée. Elle n'était encore qu'une enfant. Parfois, la vie peut se montrer bien cruelle. Oui, nous sommes impuissants face au poids de la destinée. Ça, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment elle a pu mourir comme ça, les gars? Attends, les gars, on est passé à autre chose comme ça? C'est grave ce qui vient de se passer, la petite elle vient de canner là et... On reprend l'entraînement comme c'est de rien été? Lui c'est sa fille en plus? Ah ça va le booster hein, mais bordel, Quina là... C'est pas normal. La rage de vaincre, frère. Ah, il step up vite, hein. Nous n'y pouvons rien. La vie d'un être humain tient à si peu de choses. Tu sais, Zoro, Quina était une jeune fille très résistante. Elle pratiquait le maniement du sabre depuis qu'elle était toute petite. Elle possédait des qualités naturelles qui lui permettaient de surpasser les adultes. J'ignore si c'est à cause de cela, mais je suis conscient qu'elle était un peu prétentieuse. Par chance, un événement est survenu.
Tu es arrivé parmi nous. Je t'en serai éternellement reconnaissant, Zoro. Alors, elle a commencé à s'entraîner de plus en plus dur. Elle était prête à redoubler d'efforts pour que tu ne puisses pas la battre. Elle savait très bien qu'en théorie, c'était peine perdue d'aller à l'encontre de la nature. Mais elle s'est accrochée, à tel point qu'elle commençait à surmonter le handicap d'être une femme au maniement du sabre. Comme tu peux l'imaginer, mon cœur est aujourd'hui en peine. La vie nous a imposé sa loi. Il faudra vivre sans Quina. Non mais... Maître, s'il vous plaît. Pour Quina, les gars. Moi, son sabre. Son sabre. Je vous en prie, maître, je deviendrai beaucoup plus fort avec cette arme. Tellement fort que mon nom résonnera jusqu'aux oreilles de Quina, tout là-haut au paradis. Je veux être le plus grand manieur de sabre au monde. On s'était promis qu'un de nous deux deviendrait le meilleur de tous les sabreurs. Je tiendrai ma promesse. T'as le pauvre. Il avait besoin d'elle pour step up en plus, tu vois. D'accord, Zoro. Je te le donne. Réalise le rêve de ma petite Quina. Je sais que tu y arriveras. À la fin de l'épisode, on va parler, les gars, quand même. Les gars, j'ai tellement le seum pour Quina, elle est morte comme ça, genre. En tombant dans l'escalier, gros. Dans quelques jours, cela fera 8 ans. Alors ça y est, Zoro, c'est décidé? Oui, maître. Je pars. J'ai une promesse à tenir. Et je la tiendrai. Magnifique. Ce flashback était trop bien, les gars. Zoro. Bonne chance. Oula! Ça m'a fait peur! Encore loupé, tu peux mieux faire. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce canon? T'inquiète pas, Zoro, je m'entraîne. Mais je dois avouer que je galère un peu. Tu n'as qu'à me laisser faire, tu vas voir un peu l'artiste au travail. Arrête de mentir, toi! Alors, si je me fie à la trajectoire du dernier tir, qu'est-ce qu'il va nous faire comme dinguerie? C'est parti! Ah oui! En plein dans le mille! Wow, tu l'as touché du premier coup! Ah bah dis donc, j'ai du bol. Même lui, tu vois, il est en sueur. Même lui, il est pas prêt au sop, là. Ça, t'as la choqué. J'ai l'œil pour viser. Je suis un vrai pro, hein. T'es impressionné. Ouais, drôlement au sop. D'ailleurs, à partir de maintenant, c'est toi le canonnier. Ah bon? Alors, je suis pas le capitaine? Non, c'est moi. D'accord, ça marche. J'accepte pour le moment. Mais si jamais tu n'es pas à la hauteur, dans ce cas, je prendrai la relève. Marché conclu. T'as l'équipage tiens, de barge, les mecs. J'étais en train de me dire qu'il restait encore un poste à prendre à bord pour être complètement paré avant d'aller à Grand Line. Je suis d'accord. Il y a une grande cuisine, mais on n'a pas de cuistot. Je veux bien prendre le poste si vous me payez. Un cuistot, c'est indispensable pour un long voyage. C'est pas ça. En fait, je pensais à autre chose. Des musiciens. Alors là, c'est la meilleure. Bon, t'as un peu d'ambiance. Ça veut dire au moins naviguer. Et moi qui croyais que tu allais enfin avoir une bonne idée. Ben quoi? Quand on est de vrais pirates, on chante, non? Ouais, tous, pirates, allez, montrez-vous! Hé, hey, là, hé hey. Attends, mais comment il est venu dans notre bateau, lui? Ce PNJ, elle sort de nulle part, frère, et il défonce nos tonneaux. Tu sors, toi! Attends, mais comment tu oses me demander ça? Et d'abord, parle-moi sur un autre ton! T'as compris? Alors, combien d'ennemis? Il y en a... C'est bon, on va le laisser à la fille. Crois-moi, mon petit gars, des têtes de pirates, j'en ai découpé plus d'une. Alors c'est toi, l'espèce de petit vaurien qui a failli tuer mon partenaire. Attends, mais t'es qui? Présente-toi. Tiens. Hein? De quel camarade tu parles? J'y comprends rien, moi, je suis largué. Mais c'est pas une raison pour éclater mon bateau. Il ne manquait pourtant pas grand-chose. Hein? Tu disais? Non, mais je rêve. Johnny, c'est bien toi?
Dis donc, qui tu es, toi, pour connaître mon nom? Zoro? J'étais sûr que c'était toi. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Yosaku n'est pas avec toi? Si je comprends bien, vous vous connaissez? Ils nous ont cut comme ça, hein. Alors, les gars, j'aimerais qu'on parle de la mort de Quina. Je trouve que la mort de Quina, elle est brutale, elle est expéditive. Genre, on nous présente le personnage comme la sabreuse ultime, la sabreuse de cette génération, la sabreuse qui peut découper du poulet tandoori à tire-larigot. Et sa mort, elle arrive comme ça, quoi. Genre, elle est tombée d'un escalier et elle est tombée, je sais pas quoi, enfin... J'ai pas bien compris cette partie-là, mais ouais, elle a disparu comme ça, quoi. C'est l'électrochoc qui a fait que Zoro, c'est devenu l'épéiste qu'il est devenu maintenant, je pense. Mais par contre, les gars, j'étais clairement pas prêt pour ce genre de mort. Hein. Dis-moi, où est-ce que tu as l'intention de m'emmener? Oh la chica! Je t'emmène dans le meilleur restaurant de la planète. Ah! Les gars, si vous voulez un conseil, un tuto pour draguer des meufs, voilà. Premier resto, premier date, allez au McDonald's. Voilà. Commandez un Maxi Mestuff, triple cheese, voilà, petite potatoes, McFlurry et tout. Vous allez voir, ça fait un malheur. À chaque fois que je fais ça, ça marche à 100%. Compris. Ce fameux restaurant se trouve quelque part en mer. Oula! Oh, la marine, ça paye bien. Et à ton incomparable beauté. Je vais te mettre à la police. Je suis impatient d'arriver à destination. Oh, c'est un château roux de 84. Belle cuvée. Johnny? Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Hein? Frérot, t'es ici? Tu as vu? J'ai l'impression que Zoro le connaît. Je ne comprends pas ce qui se passe. Fais gaffe avec ton nez là! Ah oui! Il est pas bien. Il va vraiment mal. Ils ont vraiment un bateau de wish, frère. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Oui, c'est incroyable. Il y a encore quelques jours, il était normal, en pleine forme, et puis tout d'un coup, il est devenu livide et il a perdu connaissance. C'est soit Ebola, soit le Covid. Je l'ai emmené sur ce rocher en espérant qu'il récupère un petit peu. Ah, le mec est mort, en fait, hein. Puis, tout à coup, il y a eu l'explosion. C'était un tir de canon. Ah, ça me rappelle quelque chose. Usopp, petit con, hein. T'as failli le tuer! Oh non! Écoute, on est désolé! Oh non! Mais le mal est fait, vos excuses sont inutiles! Oh, quand ils se sentent mal! C'est ça qui va sauver mon partenaire! Qu'est-ce que t'en penses, Zoro? Tu crois qu'il va mourir? On va t'aider! Vous êtes des cruches. Qu'est-ce qui te prend? Bats les pattes! Si tu t'amuses encore une fois avec mon pote qui est en train de mourir, t'auras affaire à moi! Il nous poussillonne dessus! Et Usopp, allez dans la réserve chercher les citrons! Dépêchez-vous! Allez, qu'est-ce que vous attendez? Comment ils sentent mal, les gars? Non. Il souffre du scorbut. Du scorbut? Avec un peu de chance, il sera sur pied dans quelques jours. Oh, c'est vrai? Tu es sûr de ce que tu dis? Oh, petite sœur, je ne sais pas comment te remercier. Mais arrête de postillonner, la pauvre. Écoute, je ne suis pas ta petite sœur, m'appelle pas comme ça. Allez, vas-y, bois. Ça va te remettre sur pied. Oui, encore. Il s'agit d'une carence alimentaire. Si on ne mange pas de fruits et légumes, on tombe malade. Mais ils arrêtent pas de tout mettre à côté, les gars. Visez bien quand même, hein. Enfin, on hésitait à en embarquer sur les bateaux parce qu'ils sont périssables. On ne savait pas encore qu'ils étaient indispensables à la survie de l'équipage. Mais ça suffit, vous deux. Mais vous allez me tuer, bande de petits cons. C'est en train de l'étouffer. Tu sais quoi? Tu m'épates, Nami. Tu parles comme un toubib. Ouais, moi, dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que tu n'étais pas comme les autres. Ouais, ouais, c'est ça, t'as raison. Écoutez-moi, tout le monde sait ça. Surtout les marins qui n'ont pas envie de mourir bêtement.
Mais il va bien. Hein? Ouais! Youpi! Le ventre carré, tout va bien. Il a dit mon pote. C'est Louis, personne ne carré aussi. C'est pas le scorbut, hein. On ne s'est pas encore présenté. Moi, je m'appelle Johnny. Moi, c'est Yosaku. Attends, mais il y a une clope, hein. Tous les deux, on fait équipe. On est des chasseurs de primes. On chasse surtout les pirates. Il fut un temps où tu faisais le même métier que nous. Zoro, le chasseur de pirates. J'espère que tu te souviens de nous. Bien sûr. Mais je ne m'attendais pas à vous revoir sur ce bateau. Franchement, nous non plus. Et pour une surprise, c'est une surprise. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu changerais de camp. Le mec, il a pris sa super potion. C'est bon, il a été requinqué 2-3 citrons et c'est bon, c'est réglé, quoi. Eh oui. Content de te voir. Oh bon là. Hé, hé, Yosaku. Ça recommence. On a encore du citron ou pas, Luffy? Ce qu'on trouve dans la mer, ça ne nous suffit pas. Savoir s'alimenter pour survivre en mer, ça demande des connaissances spécifiques. On va pas bouffer du pain toute notre vie, hein. Des connaissances spécifiques? Ouais. Il nous faut un cuisinier. Mm-hmm. Bah forcément, un cuisinier s'y connaît. Tu as raison. Très bonne idée. On va joindre l'utile à l'agréable et bien manger. Oh les oui, IQ. Je rêve de bien manger. Dans ce cas, je sais où tu pourrais peut-être trouver un cuisinier digne de ce nom. Kawé? Où ça? Où ça? Où ça? Dis-le-moi. Le problème, c'est que l'endroit est tout près de Grand Line. Ah. Si je me souviens bien, Zoro, tu avais essayé d'y aller. En ce moment, il y a une rumeur qui court comme quoi Œil de Faucon est dans les parages. Je peux vous y emmener. Cap Nord, Nord-Est. Ouais. Let's go. L'aventura, la ventana. Par contre, le bateau est trop stylé, les gars. Nous y voilà. C'est un hôtel, ça? Ah, c'est clairement pas un bateau. Voici le baratier. Le fameux navire-restaurant. Ah. Oh, on va se mettre bien, les gars. Hein? C'est pas beau, ça? On va se mettre bien. Wow, il est dément, ce bateau. C'est magnifique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ouais, oh, allez, on y va. Lui, bizarrement, le PNJ, là, dans la cave, là, le gars avec le citron, bizarrement, ça va mieux. Hein. Dès qu'on sent l'odeur des moules, des huîtres et tout, et des spaghettis bolognaises, là, ça sent sa cave. Oh, le boucan. La marine. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est pas dans leurs habitudes de naviguer dans le secteur. Eh, dis donc, ils ne vont quand même pas nous tirer dessus, ces imbéciles. Bon, la marine ici, ça ne me dit rien qui vaille. Bah, on vient manger. Ça ne me plaît pas non plus. C'est une zone neutre. Oh, la poupou. Vous savez qui je suis? Un officier de la marine rattaché au quartier général. On m'appelle Full Body Main d'Acier. Ah. J'aimerais savoir à qui j'ai affaire. Qui est le capitaine du navire? Je suis le capitaine Luffy. Et moi, je m'appelle Usopp. Ça fait 2 jours que mon équipage navigue sous ce pavillon. Oui, même que c'est moi qui en ai fait le dessin. Et vous deux, je crois bien vous avoir déjà vu quelque part. Si je ne me trompe pas, vous êtes des chasseurs de primes, mais vous ne vous attaquez qu'au menu fretin. Non, non, c'est pas vrai. Je constate que vous avez fini par vous faire prendre. Non, ce n'est pas le cas. Comme c'est amusant. Alors, on y va? Je suis impatiente. Hey, vous l'allez où? C'est vrai qu'on le sait, que le menu frontin. Ne vous voyez pas vous-même? Ça vous donnera un aperçu. Ils s'en tapent de vous. Oh. Bon, allons déjeuner dans ce fameux restaurant. Ah, ils s'en tapent, les gars, c'est bon. Les gars, à vous de jouer. Ah non! À vos ordres! C'est quoi tout ça? Hein? Mais tout ça, ce sont nos contrats, Sorette. Pour faire court, on empoche une récompense à chaque fois qu'on tue un pirate. C'est très lucratif, hein, tu peux me croire, petite sœur. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je vois? Ces salopards vont nous tirer dessus! Je m'en occupe! On va pas pouvoir arrêter de tous les boulets de canon comme ça, les gars.
Ça me sent ouf. Ça va me lancer. Oh le con. Oh Luffy, tu déconnes. Oh le petit con. Oh le pisseur, il va pas être content. Chef, vous êtes touché. Répondez. Chef, vous êtes blessé. Les PNJ, ils ont rien demandé, ils veulent juste taffer, gros. Chef, je crois bien que vous êtes blessé. Arrêtez de discuter, vous voulez me mettre en colère ou quoi? Je ne veux pas que mes clients attendent. Chez moi, le client est roi. Ce n'est pas un hasard si mon établissement a une renommée planétaire. Ah oui, d'accord. Il saigne un peu, enfin, il... Et ça peut être quelque chose sur le crâne, voir, chef. Le responsable, c'est lui. Ah, je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Ah, ta jambe. Ah, ah ouais. N'empêche que j'ai été secoué. Entre la consultation du toubib, les soins et les réparations, ça va coûter bonbon. C'est pas mon genre de marchander. Mais je suis sincère. Je n'ai pas d'argent. Ah. C'est vrai. Dans ce cas-là, tu vas payer en nature. Tu... Monsieur le Custo, là. Monsieur Wario, là, ça peut-être un peu vite. Enfin, il a même pas hésité, les gars. Genre, tout de suite, hein, il a pensé qu'à ça. Laisse-le tranquille, le pauvre Luffy. Hein. On va remonter dans le bateau, c'est un peu dangereux ici. Tu n'as pas le choix si tu n'as pas d'argent. Il va falloir que tu travailles pour moi. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est... Je veux payer ma dette. Alors c'est bien. J'ai eu peur. Je pense qu'une année, ça suffit. Ouais, je travaillerai gratis pendant une année. Après ça, je pourrais te pardonner. Une année? Il aurait dû dire que c'était la marine qui avait tiré le coup de canon. Il est trop honnête, Luffy. On va pas attendre un an comme ça, les gars, en warning. Hein. Oh, ça a l'air d'être un bon petit vin rouge, ça. Est-ce que tu as remarqué que tout le monde te regarde? Non, c'est toi qui le regarde et ils ont raison. Quel lover catcher? Je dirais qu'il s'agit d'un... Indusburgstein, et j'en mettrai ma main à couper. Dis-moi, garçon, j'ai raison, n'est-ce pas? Ben non. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Oula! Faites-moi le plaisir de manger votre potage maintenant. Ah oui, d'accord, même lui, il est insolent, le serveur. C'est quoi ce resto de bobos, les gars? Je vous en prie, n'attendez pas, ça va refroidir. Oh, il s'est fait humilier devant tout le monde, gros. Ah, le serveur. Sûr de lui? Tu t'y connais? Comment ça? Enfin. Oui, un peu. Mais aujourd'hui, mon palais n'est pas aussi fiable que d'habitude. Comme par hasard. Il faudra que j'en touche deux mots au patron. C'est inadmissible. Je lui avais bien précisé de me servir cette bouteille et pas une autre. Oh, l'escroc, les gars. C'est un calcul. Il calcule tout depuis le début. Oh. C'est-à-dire qu'il appelle le resto d'avance et lui dit « Bon bah écoute, voilà, je veux un Chateaubriand de 94, comme ça devant la Zouze. Je peux faire genre que c'est un Chateaubriand de 94 et à la fin, la ramener à l'hôtel et faire la samba toute la nuit. Eh mec, les escrocs comme ça, il y en a pas mal maintenant. » Je veux que tu réduises l'échéance à une semaine. Et toi, tu décrètes ça comme ça? Ben, disons deux. C'est pas une ou deux semaines de travail gratis qui va me dédommager de la case dont tu es responsable. Non seulement mon restaurant est abîmé, mais en plus j'ai failli laisser ma peau. Je t'accorde trois semaines. Bon, ça suffit. C'est pas toi qui décides, d'accord? Non mais... Il y aura encore plus de dégâts après, hein. Pas question. Pour devenir pirate, j'ai pris mon mal en patience pendant 10 ans. Je comprends que tu n'aies pas envie de perdre ton temps ici. Laisse-moi réfléchir. Il y a peut-être un moyen de s'arranger, toi et moi. Voilà ce que je te propose. Tu me donnes une de tes jambes. Non. Non, pas question. Oh, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est toi qui choisis, Blanc-Bec. Je t'y regarde sa soupe depuis tout à l'heure, elle va refroidir. Par contre, la conversation à table... Hey, garçon! Écoutez, monsieur, je vous ai dit de ne pas m'appeler garçon. Mademoiselle, permettez-moi de vous dire que vous êtes absolument ravissante. Ouh! Ça ne vous dirait pas de venir boire un verre avec moi là-bas? Attends, mais il est serveur, gros! Il va
va peut-être un peu loin, là. Déjà que tout à l'heure, il prend un peu les jambes haut, tu vois, au calme, mais là, il commence à draguer la chica d'être calme comme ça. En tête à tête. Oh, il a pas peur. Hé, hey, regarde ça. Il y a un insecte dans ma soupe. C'est inadmissible. J'ai jamais vu ça. Un insecte? Mais regarde, à ton avis, c'est quoi? Allez, dis-le. Eh bien, monsieur, je suis vraiment désolé. Je suis incapable de satisfaire votre curiosité, je l'avoue. Je n'ai aucune compétence en matière d'insectes, ce n'est pas mon rayon. Ouh! Et wesh, mais il a pas peur, hein? Oh, l'insolence! Ça suffit! Ne te moque pas de moi! Monsieur, je vous prie de prendre la sortie, s'il vous plaît. Enfin, c'est par là, parce qu'on n'a pas le droit de défoncer des tables et... Je sens que son mec, il est mort. Regarde la chica, comment elle est. Vous auriez pu le manger, ce potage. Il suffisait de retirer la bestiole, c'est tout. Si vous saviez le travail que ça représente, je vous assure que vous ne prendriez pas les choses aussi à la légère. Écoute-moi bien, maintenant. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Tu ferais bien de rabaisser un peu ton caquet. T'as pas mal, toi? Le client, c'est moi, d'accord? Et le client, il est roi! C'est moi qui paye! Je t'en prie, ne t'énerve pas! Lâche-moi! Oula, la violence! S'il te plaît, allons-nous-en. J'ai une question à te poser. L'argent, ça te remplit le ventre? Et comment? Je te demande... si l'argent te remplit le ventre. Full body! Il est devenu fou, Sanji. Notre second a perdu la raison. Ne refais jamais ça. C'est très mal de gâcher la nourriture. Et surtout, tâche de te souvenir de ça. Quand tu cherches des poux à un marin cuisinier, il y a de fortes chances pour que tu y laisses ta peau. Il a massacré les mecs. Attends, mais c'est qui ce mec, les gars? C'est qui ce personnage encore là, hein? Il arrive comme ça, il manque de respect à tout le monde, il prend les gens de haut, et à la fin il a quand même raison, tu vois, en mode avec l'argent et tout. Enfin, est-ce que c'est l'argent qui te remplit le bide? Est-ce que c'est l'argent qui te remplit le bide? Il faut respecter la nourriture, les gars, il faut pas jouer avec les aliments. Et par contre, l'autre, c'est un gros somme là. Il aurait pu juste passer à autre chose et passer une très très bonne après-midi avec sa chica d'El Calvé, sa princesse Peach, mais non, il a préféré en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et j'ai l'impression que dans la marine, c'est on prend le melon, frère. C'est bon, t'as ton petit badge de shérif de je sais pas quoi, c'est bon, tu pars en couille. Par contre, Sanji, les mecs, il est là pour défoncer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Sanji, on peut savoir ce que tu fabriques? Relâche-le tout de suite ou tu auras affaire à moi. Non, mais c'est quoi ces façons de traiter la clientèle? En plus, ce type, c'est un lieutenant de la marine, je te signale. Toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Retourne empoisonner tes clients, sale cuistot de merde. Quoi? Je t'interdis de parler sur ce ton, sale petit merdeux. Et puis je te rappelle que c'est ce genre de client qui fait attends, tourner mais c'est le restaurant. Quoi, c'est quoi ce tu bordel? Tu commences vraiment à me les briser. Combien de fois je t'ai dit qu'il fallait respecter la clientèle? Je m'en fous qu'ils soient importants. Ce type m'a insulté en renversant la soupe que je lui ai servie. En plus de ça, il insulte les cuistots. J'ai pensé qu'il avait besoin d'une leçon. Ah mais t'as bien fait, hein? Je lui apprends simplement à ne plus gaspiller la nourriture. Depuis quand les serveurs se permettent de tabasser les clients qui renversent de la nourriture? Vous allez le regretter. Ça, je peux vous le garantir. Ça va pas se passer comme ça. Je vais vous le fermer, ce resto. Je vais prévenir le gouvernement, il fera couler cet endroit. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Je ne te laisserai pas sortir d'ici vivant. Oula, non mais Sanji, il a rien à perdre, les gars. Il en a rien à foutre. Je veux finir en zonzon, quoi! J'ai jamais pu blairer les petits frimeurs! Ça me fait bouillir de rage quand je vois des types dans ton genre, des crétins prétentieux! Je te dis de te calmer! Aidez-nous, il va le tuer! Vas-y, montre-moi de quoi tu es capable! J'attends, espèce de chien galeux! Ce type est complètement fou! Oh là, mais l'autre aussi, là! Qu'est-ce qui se passe encore? D'où ils sortent ces deux-là? Non mais il faut qu'on se barre de ce resto, les gars. Patron, est-ce que ça va? Vous êtes pas blessé? Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, ma tête. Non, c'est pas vrai, mon plafond manque plus que ça. Tout ça, c'est ta faute, petit morveux. Ça va me coûter une fortune. Moi, n'importe quoi, c'est toi qui m'as sauté dessus. Patron, à quoi vous jouez là? On a besoin de... Il faut qu'on se barre, les gars, on a foutu le bordel. Vous trouvez un moyen d'arrêter Sanji? Sanji? C'est quoi cette histoire? C'est toi qui as semé cette pagaille dans mon restaurant? Toi, la ferme, espèce de vieux schnock. Je te demande pardon, je crois que j'ai pas bien entendu.
Non, mais pour qui il se prend le babouin? Tu sais à qui tu t'adresses? T'essayes de détruire mon restaurant, c'est ça? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Attends, mais c'est quoi cette ambiance dans ce resto, les mecs? Mais il faut se marrer tout de suite, hein. Même pour un stage de 3ème, le gars, il serait capable de te lâcher de la plus grosse fessée, frère. T'inquiète pas que ta fesse, elle va rester rose toute l'année. Tu balais, dégage de mon restaurant. Attends, mais lui aussi prend une balle perdue. C'est pas vrai, même le patron est fou allié. Ce sont tous des monstres, de vrais brutes sanguinaires. On dirait une bande de pirates déchaînés. C'est pas possible, ces types peuvent pas être de vrais cuisiniers. Lieutenant Full Body, c'est horrible! Un des hommes de main de Don Krieg a réussi à s'échapper! Comment? On s'était mis à 7 pour le capturer! 7 soldats pour un seul pirate de l'armada de Don Krieg! Comment c'est possible? Ce sale petit rat était déjà à moitié mort de faim quand on l'a capturé il y a 3 jours! On lui a rien donné à manger! Il aurait jamais dû avoir la force de s'échapper! Don Krieg! Pourquoi tout le monde panique? Calmez-vous! C'est le plus cruel et le plus puissant d'East Blue! Je suis désolé, lieutenant, je... On va fermer le restaurant pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, mesdames et messieurs. Ne paniquez pas, d'accord? Tout va bien, vous avez la sortie de secours qui est juste là-bas, d'accord? Vous avez juste à y aller, tout le monde court, ne paniquez pas, d'accord? Ne criez pas, hein. À la queue leu, tout va bien se passer, hein, d'accord? Parfait, voilà un nouveau client, les affaires reprennent. Il a intérêt à se tenir tranquille, celui-là. Il y a eu assez de casse pour aujourd'hui. Non mais c'est pas un resto. On va pas le servir, hein. Donnez-moi un truc à manger. N'importe quoi, je suis pas difficile. Hé, le bouffon, t'as entendu et que ça saute. Et qu'est-ce qui ferait plaisir à cette tronche de cake? T'es sourd, quoi? Ça m'est égal du moment que tu m'apportes de la bouffe. J'ai l'estomac dans les talons. Ouf. T'acceptes les paiements en plus. J'en conclus que vous n'avez pas d'argent. Oh oui, d'accord. Quel crétin, encore une chaise à remplacer. Espèce de mendiant, dégage de ce restaurant. Ça suffit, c'est quoi, j'en ai assez vu. Je remettrai plus jamais les pieds dans ce restaurant. Il bougera plus long. Poursuivez votre repas en toute tranquillité. Bah, au moins, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'ambiance dans ce resto, les gars. Et toi, t'avises pas de remettre les pieds ici. Hé, dis donc, t'aurais pas une petite faim par hasard? La ferme. Je suis fort, je sais résister. La faim, c'est rien. Oh, le prince! Là, je comprends rien, ce perso. Hein. Vas-y, mange. Va-t'en, laisse-moi tranquille. J'en veux pas de ta bouffe, même si je dois en crever. Jamais j'accepterai qu'on me fasse la charité. Vire ce truc de là, allez, grouille-toi! Arrête de gaspiller ta salive et mange, crétin. Quand une personne a faim, j'en fais une affaire personnelle. Elle devient mon client. Désolé, mais pas aujourd'hui. Je suis le client de personne. Ah bah là, mon gars, le ventre, là, il est en train de faire Disneyland. Si tu décides de te laisser mourir au nom de l'honneur, qu'à cela ne tienne. Mais si tu fais le choix de manger et de te battre, tu auras fait preuve d'encore plus de courage. C'est magnifique ce qu'il dit. Oh, je sens que ce personnage, je vais l'aimer, les gars. Mercato! Je sais pas comment te remercier. C'est incroyable. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon de toute ma vie. Je sais, c'est foutrement bon. J'ai enfin trouvé le cuistot qu'il me fallait. Ça va mieux? Tu t'es bien rempli la panse? Tu vas pas mourir de faim en fin de compte. Tu vas me dire à ta place, je ferai pareil. Hé, le cuistot, écoute, qu'est-ce que tu dirais de faire partie de mon équipage? Hein? Bah les gars, pour l'instant, Sanji, hyper intéressant, j'adore sa philosophie vis-à-vis de la bouffe, tout simplement, enfin... Toi, tu es un pirate. Je sens qu'il a un passif de fou, en fait. Alors, t'acceptes de faire partie de mon équipage? Désolé, petit, mais je refuse. Oh non! Ça va peut-être te paraître bizarre, mais j'ai de bonnes raisons de rester ici, je peux pas quitter ce restaurant. Oh non, moi je refuse! Qu'est-ce que... J'en ai rien à faire! Je refuse ton refus, c'est comme ça. T'es un excellent cuistot, je te veux dans mon équipage, t'as pas le droit de dire non, on deviendra pirate, un point c'est tout. Il est même pas payé. C'est quand même à moi de décider. Dis-moi au moins ce qui te retient ici. J'ai aucune intention de te déballer ma vie. Mais t'as pas le choix. Donne-moi une bonne raison de ne pas venir. Tu commences à me lourder sérieusement. J'ai pas de compte à te rendre. Et si tu continues à me les briser comme ça, je vais te découper en tranches et te faire rôtir. Sale petit merde de chapeau de paille. Redis plus jamais de mal de mon chapeau. Je te fais ta fête, t'as compris, espèce de vieille asperge décolorée. Oh,
la mitrailleuse de Bamako. Oh, elle, ça a l'air bon par contre. Hein. Elle est ambiance, elle a... En fait, j'ai envie d'aller dans ce resto, les gars. Vous le dites, j'ai envie d'y aller. L'ambiance, elle est fabuleuse, ça se tape comme Jaja. C'est magnifique. C'était quoi le problème tout à l'heure? De quoi tu parles? Fais pas semblant de pas comprendre. Tu vas nous attirer des ennuis si tu continues. Le type que t'as tabassé, il faisait partie de l'équipage de Dunkirk. Ouais, c'est ce qu'il disait avant que je lui pète les dents. Tu joues au dur, mais tu feras moins le malin quand il te découpera en morceaux. Tu sais que c'est le pirate le plus puissant et le plus redouté de la région. C'est un monstre. Attends, lui nous dit ça comme ça, il nous lâche le flashback, Bertrand. Dunkirk est à la tête d'une armada de plus de 50 vaisseaux qui sillonnent toutes les mers. Ah. On raconte que ses troupes comptent plus de 5000 hommes. Ouais, il y a une petite armée, quoi. C'est une brute sanguinaire. Un vrai monstre. Et alors, c'est quoi le problème? Ils sont sans pitié, ces gars-là. Je suis pas à l'âge, mais j'ai pas non plus envie de me faire dépecer à cause de toi. Tu m'as aidé alors que tu ne me connaissais même pas. Tu m'as sauvé la vie et j'ai jamais aussi bien mangé. Est-ce que je pourrais revenir déjeuner ici? Quand tu veux, pas de problème. Alors, chapeau de paille, c'est là que tu te caches? Mince, là le patron. On se prélasse au soleil. Désolé, tu vas te faire passer un savon. Allez, t'aurais jamais dû me donner à manger, je le savais. T'inquiète pas, mon vieux. Ah. Aucune raison de se faire taper sur les doigts s'il n'y a plus de preuves. Par contre, Sanji, les gars, on dirait loulou de Wall Street. Hein. On dirait un mec qui bosse à la défense. Tâche de ne plus te faire attraper. Non, merci, Sanji, merci mille fois. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour moi. Sanji, la bleusaille, remettez-vous au travail immédiatement. Salut les gars, je m'appelle Luffy, c'est le patron qui m'envoie. Je suis là pour faire les corvées. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas l'air de bosser les gars là? Le dessert pour la 6, ça vient, ouais. Mais il bosse ou pas? J'ai pas trois bras, qui a pris cette commande? C'est toi qui devais la préparer. J'ai 15 gouttes de bœuf sur le feu, j'ai pas le temps. Mais normal quand on est aussi lent. Dis donc, si tu me cherches, tu vas me trouver. Et toi, reste pas planté là, on va faire la vaisselle au lieu de ramasser. On dépêche. Où est passé Sanji? En salle, en train de faire du charme à une cliente. Encore? Je comprends pas pourquoi le patron tient absolument... Attends, mais sa pomme, les gars, c'est un putain d'élastique, hein. C'est quoi ce bordel, là? J'ai jamais vu autant de peau, frère. Non, le garder dans l'équipe. C'est quoi ce truc? Jamais pu l'encadrer, celui-là. Faut pas chercher loin, c'est sûrement parce que c'est le plus ancien employé du restaurant. Y a quand même un truc qui m'échappe. Ces deux-là, ils s'entendent comme chien et chat, mais Sanji, lui, il continue à travailler ici. Tu sais pourquoi ils s'entêtent comme ça? Je vais te le dire. T'as c'est pété parce la... qu'ils convoitent t'as la pété l'assiette, Luffy. Oh non! Mais t'es con ou quoi? Oh le con! Putain, mais t'as un truc à faire, frère! Un truc à faire! Juste nettoyer! Nettoyer les assiettes! Mmh. Regarde ce que tu fais au moins! On est mort! Oh, c'est pas vrai! Oh. On peut savoir ce que tu fabriques, triple buse? Combien d'assiettes t'as cassé depuis tout à l'heure? Désolé, monsieur, j'ai oublié de compter. Mais c'est à croire que tu le fais exprès! Oh le Arrête con! Arrête ça tout de suite! C'est bon, laisse tomber la vaisselle! Va plutôt faire le ménage! Ça marche, comptez sur moi! Non mais faut rien lui donner à Luffy, il est capable de faire péter le resto! Oh non, on touche pas à la nourriture! C'est pas pour toi, c'est pour les clients, alors pas les pattes! D'accord, j'ai compris, faut pas me dire deux fois! Oh mais les cons! Oh, c'est pas possible! Et maintenant, écoute-moi bien, je ne veux plus que tu t'approches de cette cuisine. Tu vas aller en salle prendre les commandes des clients et tâche de ne pas faire de bêtises! Mais peu importe ce qu'on va lui donner, c'est le bordel! Oui, le bleu. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Il paraît que tu vas bosser ici pendant un an. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être repeindre notre drapeau. J'en crois pas mes yeux. Franchement, c'est pas sympa. Moi, je me tue au travail et vous êtes là, peinard, à vous enfiler un bon repas. Quoi? On va quand même pas rester à jeun juste pour te faire plaisir. Oui, oh non, ça... Oh le con. Crème, mais c'est comme ça. Oh, il a mis une crotte de nez dans le verre. En tout cas, c'était délicieux. Dommage que tu puisses pas y goûter. Je suis désolé. Et si ça peut te consoler. Tu ne peux toujours pas s'en empêcher. Oh le bouffon. Tenez, je vous la laisse, c'est pour vous. Oh béni soient les vents et les mers qui t'ont mis sur mon chemin. Oui, tu peux rire, Cupidon. C'est par ta faute que mon cœur souffre aujourd'hui. Oh, bel ange, au soleil de ma vie. Pour toi, je suis prêt à tout, beauté céleste. Je me ferai pirate ou même démon si tel est ton désir et si cela me permet de rester à tes côtés. Attends, mais Sanji se prend pour Roméo, là, en deux, là?
À quel moment il tombe sur le charme de Nami des Cuadro Azul, la chica des câblés, là, mec? Il y a deux doigts de lui payer un hôtel à Ibiza, frère. Là, son tristesse, son désespoir, un boulet me retient prisonnier. Je suis enchaîné à ce bateau. Mais ta gueule! Dis donc, la limace, c'est moi que tu traites de boulet? Alors, Sanji? Oh, ciel, le vieux Stock. Voilà une occasion. Oh, le romantique. Allez, vas-y, va donc jouer aux pirates avec tes petits copains. Je ne te retiens pas. On n'a plus besoin de toi ici, alors débarrasse-moi le plancher. C'est méchant ce qu'il a dit. Ce cuisinier t'a donc sauvé la vie et c'est grâce à lui que tu as pu revenir jusqu'ici. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Jin? Oui, mais je ne savais pas. J'étais loin de me douter que notre navire était dans un tel état, Don Krieg. Au fait, patron. Oui, Jin? J'ai une excellente nouvelle. Je vais vous conduire au navire-restaurant Baratier. Mais non! Oh, la raclure de vider, les gars! Mais on t'a aidé! On t'a pas laissé crever, gros! On t'a filé à bouffer gratuit! Et c'était magnifique, en plus, c'était Disneyland dans sa bouche! Comment te spoupou, les frères? Mais c'était sûr! C'est un pirate, les gars! Bah ouais, non, mais regarde sa tête, là, putain! Franchement, bah oui, ils vont prendre des balles perdues, ils vont revenir, ils vont foutre le bordel, quoi! Bah super, les gars, super! Oh là! Bah oui, bah du coup on reste un peu sur la fin, mais bon c'est pas grave, dans tous les cas, dimanche il y aura un nouveau réac One Piece. Bah les amis, écoutez, Mercato pour Sanji, on a notre cuistot, je vous le dis, on a notre cuistot, personnage assez énigmatique, hein, pour l'instant je comprends pas trop pourquoi il est un co-star, pourquoi il est en mode classico, des la noche peluda, t'as l'impression qu'il va aller faire du bachata ou qu'il va aller danser avec 2-3 espagnols et qu'après le soir il va aller à la banque jouer avec du bitcoin, j'en sais rien, à tirer l'arigot, mais voilà, le personnage est stylé. J'aime bien la petite clope, hein. Ne fumez pas, ça tue les gars, donc ça sert à rien, ne faites pas ça, mais par contre, il a l'air incroyable, hein. Il a l'air incroyable, et j'imagine un équipage avec Usopp, Zoro, Nami, Luffy et Sanji, mais ce serait un bordel monstre les gars. Les 3 épisodes qu'on a vus, c'était masterclass, le restaurant il est incroyable, j'ai trop envie d'y aller dans la vraie vie, et voilà. C'est la fin de ce super React One Piece, si ça t'a plu, et pour les 3 épisodes, et pour le montage absolument stratosphérique. Vous savez quoi? Si on pouvait taper les 4500 likes, ce serait absolument phénoménal, sachant que dimanche, vous avez encore un autre React One Piece, ça pourrait être sympa. N'oubliez pas de commenter la vidéo si elle vous a plu, de parler de la vidéo, de parler de One Piece, attire la rigole, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur twitch.tv/fmimars, voilà. Ça ferait super plaisir si vous pouvez me lâcher un petit coucou, juste discuter avec moi et venir tous ensemble dans mon équipage. Et voilà, parce qu'on est quasiment 100 000 dans mon équipage. Donc voilà, les amis, fin de communication, amour paix aux fraîches. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Gros bisous et... L'amour n'attend pas.